Ouais, fallait me dire, hein, j'aurais ramené les chaussures noires. Hein. Non, mais par contre, je crois que... J'aurais pas été briefé. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bon, bah, bravo, c'était loin ça. Oh non, non. Ouais, tu peux avoir les vitesses de sortie de planche et tout. Par contre, on a déjà la force, j'y vais sur le premier saut là, j'ai chargé comme un point. Ah ouais, non, mais rien que la force, je peux te dire que. Non, mais j'aimerais bien voir à quelle vitesse il sort de la planche demain. Parce que les France, c'est la fin de la semaine. Ouais, par contre, ce sera sur élan réduit quoi. Mais ouais. Alice, tu ouais, ça. Ouais. Pour coach. Coach Wattel part peut-être que sur un ou deux. Non, si ça passe sur un ou deux, c'est rapide ça à sortir. C'est là demain. Non, en prépa, il est taqué là. Il est taqué là en ce moment au niveau de forme. C'est pas mal. Ouais. C'est bon, Arnaud ? Alors, on peut démarrer, saut 3. Vous me dites quand je peux faire la tempo. Bon. C'est bon ? Arnaud, c'est quand tu veux. Et là je viens charger, en fait je suis en freinage quoi. Donc là je prends ouais, tout ça beaucoup plus là je devrais être non je devrais être, je devrais être droit pour sortir. Là je devrais être là et sortir comme ça et là je suis là et je fais tout ça, donc tout ce trajet là je perds de la vitesse en fait. De toute façon je pense que là on doit le voir sur les avec les plateformes de force. Ça doit être à peu près comme tout à l'heure, je pense. Je pense à peu près la même chose. 4000 en freinage. Mais si je passe beaucoup plus vite, je pense que les données elles seront différentes. Et c'est pour ça que j'aimerais passer un peu plus vite. Un impulse pour... là, ici, ouais, ça freine. C'est le bruit, ça. Non, je t'ai mis TRC de fraquer. Tu devrais prendre ça. D'air. Là, on est sur son épaule gauche. Oui. Au zéro, là, tu as l'entrée, puis ensuite, tu as la perte de vitesse sur horizontale jusqu'au quitté de la plateforme ici. D'accord. Et donc, en fonction des différentes sauts, donc sans charge, 400 grammes et 300 grammes.
Donc il y a l'effet de la masse et puis il y a l'effet aussi de la fatigue, la qualité de saut. Donc tout est un peu mélangé puisqu'on n'a qu'un saut. Donc on voit que le libre, ben, il est au milieu. Le meilleur, en fait, là où il perd, il là où il perd le moins, mais il perd quand même. Il l'a fait quand à 400 grammes, 400 grammes à la fin. Le dernier C'est celui où globalement, en fait, à 400 grammes, tu vas, si je m'en rappelle bien, en termes de distance, tu fais presque la même distance qu'avec le jumeau. Moins haut. Et par contre, tu vas moins. Par contre, tu vas moins haut. Ouais. Ah, mais ça, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je te pose la question. Tu te sentais mieux dans la course. Et tu sentais mieux dans la course. Dans la course, j'étais mieux. Mais c'est pour ça que je posais la question. Et tu quittes la planche. Tu quittes la planche plus quelque part plus vite parce que tu as moins. T'as moins décéléré, t'as moins de caméras. Là, attends, il y avait 16 caméras, non, 17. Là, il y a presque 8 mètres, en fait. Ça fait 8 mètres 6, ça fait 8 mètres 6. Ouais. 8 mètres 6 par seconde, et tu passes à, quand t'es là, 7 mètres 6. Tu perds 1 mètre sur 1 mètre, déjà, au moment de l'impact. Et en 3 images, c'est du centième. 1 mètre sur un déroulé de pied, c'est énorme. Ouais. Et pourquoi vous n'êtes pas venu la veille à Aubonne là? Pardon. J'ai mordu un saut 8 mètres en plus là-bas, c'était bien. Pardon. Et ça, en bah attends, les champions du monde de saut mordu, on en connaît. Hein. Non, mais j'étais bien. Tais-toi là-dessus. Saut mordu, tais-toi. Les gars, non, j'étais super bien, j'ai mordu un saut 8,40. T'es qualifié? Ah non, moi, je veux pas en rajouter, mais je pense qu'il a raison. Je dis ça, les gars. Non, t'es qualifié? Non, non, mais j'ai mordu. Non, mais sur. Le règlement, il dit quoi? Sur deux images, donc sur. On est à quoi? On est à 100 Hertz d'acquisition. Donc sur. Il y a 2-3 Sur 2 centièmes de seconde, tu perds 1 mètre seconde.